Cela est important parce que nous, à Saint-Louis, comme le disait tout à l'heure M. Sall, que je voudrais remercier pour les mots élogieux à mon égard, nous nous connaissons et nous sommes comme dans une famille. Quels que soient les partis politiques, quels que soient les mouvements qui se dessinent, c'est tout simplement des pans d'une même famille. Et donc, il faut, dans la démarche politique, toujours aller dans le sens de demander à l'autre de venir, parce qu'il n'y a pas, comme il le disait tout à l'heure, de Messie. Et Saint-Louis, ce sont les Saint-Louisiens et les Saint-Louisiennes qui se donneront la main, qui construiront Saint-Louis. C'est donc pourquoi je suis heureux de dire que sa démarche, nous travaillons depuis 7 mois et nous nous sommes connus, je sais depuis quand, depuis très longtemps, mais depuis que nous avons commencé à travailler il y a 7 mois, j'ai senti en lui cette volonté de toujours titiller l'autre pour faire sortir de lui le meilleur, et ce meilleur qui doit servir ça. Et je crois que cela est extrêmement important, et je ne suis pas du modèle, mais je crois que l'initiative aujourd'hui qui a été prise est une initiative à même de rassembler les fils et les filles de Saint-Louis dans le sens d'avoir une mairie avec une gestion nouvelle et certainement avec des résultats plus probants et plus positifs pour les Saint-Louisiens et les Saint-Louisiens. Vous ne l'ignorez pas, j'ai eu du point de vue de mon passé, j'ai eu à travailler comme professionnel aux États-Unis, à Long Beach. Saint-Louis a beaucoup apporté à ce pays. On ne peut pas parler du Sénégal sans pour autant déterminer le coefficient d'histoire de ce pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, le constat, c'est quoi? C'est des rues mal éclairées. C'est une absence d'assainissement. C'est quoi encore? C'est des eaux qui stagnent toute une année dans les rues. C'est quoi encore? C'est des jeunes qui sont bien formés, qui ont eu une bonne formation, qui sont au chômage. Le constat, c'est quoi? C'est des bâtisses qui tombent. Le constat, c'est quoi? C'est une absence notoire d'infrastructures. Autant de mots aujourd'hui qui font que nous pouvons dire, sans sursuyer, sans embarras, que Saint-Louis va mal. Notre chère ville va très mal. Et aujourd'hui, nous sommes décidés à porter ce malade sur la table d'opération. Autour de cette table. C'est parce que tout simplement, ces Saint-Louisiens ont compris qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée de se mettre debout, pour gérer ensemble notre vie. Nous allons le faire. Nous ne croyons pas au Messie. Nous ne croyons pas à une baguette magique. Aucun individu, et quelle que soit la formation, je dis, requise, aucun individu ne peut aujourd'hui tirer soit Saint-Louis de l'ornière. Pour développer Saint-Louis, il faut une équipe pluridisciplinaire, une équipe qui renferme beaucoup de personnes de ressources avec des compétences variées. Nous misons sur ça. Et ensemble, nous allons triompher, ça j'en suis. Mais également, il y a d'autres projets très porteurs. Oui, mon camarade et ami l'a dit, la destination touristique de Saint-Louis. Mais aujourd'hui, l'imagination n'est pas au rendez-vous. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait de faire des bateaux hôtels sur le fleuve de Saint-Louis? On gagnerait triplement le tourisme, la luminosité la nuit pour éclairer Saint-Louis par les bateaux. Le commerce et tant d'autres. Des infrastructures routières. Sort est un désert par rapport à l'île. Il faut bâtir et construire des routes bitumées dans le sort. Vous me direz, M. Gaï, vous sortez du domaine de compétence de la mairie. Que non. La loi CET, aujourd'hui, nous donne la possibilité, dans le cadre du partenariat public-privé, d'être imaginatif et d'attirer le flux financier étranger. C'est de ça que nous parlons.